L'équipe de pompiers en Californie a été mise en congé administratif payé. L'enquête se déroule alors qu'une autre accusation de meurtre à l'encontre d'Orville Fleming, l'ancien pompier-chef de bataillon, est en cours. Fleming, 55 ans, a été inculpé en mai dernier pour le meurtre de sa petite amie, l'ancienne escort girl Sarah Douglas. Au moment des faits, celle-ci voulait le quitter. Douglas était au téléphone avec sa sœur avant de se faire sauvagement assassiner le 30 avril. Les dossiers de la cour montrent que le tueur présumé a non seulement poignardé Douglas, mais l'a également étranglé à mort. Fleming était en cavale durant plus de 2 semaines jusqu'à ce qu'il soit retrouvé le 16 mai. Suite à ce meurtre, l'ex-femme du tueur, Megan Fleming, a déclaré qu'elle avait vu une vidéo montrant des sapeurs-pompiers ayant des rapports sexuels avec des prostituées à l'académie où son mari travaillait et les regardait. Janet Hampton, une porte-parole pour les pompiers, a déclaré qu'aucune vidéo de la sorte n'existait. 16 pompiers ont tout de même été placés en congé administratif rémunéré depuis lundi pour violation sans rapport avec la vidéo. Fleming a déclaré à la cour supérieure de Sacramento en octobre qu'il n'avait rien à voir avec la mort de sa petite amie.